Et du coup, nous voici prêts à jouer à Eastward. Donc, je précise qu'on va se faire ce gameplay. Alors, je ne connais rien du jeu, je n'ai rien vu. Et le but, c'est aussi de le faire pour en parler sur Pulp Fiction. Donc, je vais jouer au jeu. Puis, j'écrirai une chronique dessus et on en parlera ce samedi, je pense. Alors, le son est très fort au début, je précise. Voilà. Mais le son est très très fort au début. C'est normal, vous inquiétez pas, c'est pas. Voilà, c'est pas moi qui ai craqué mon slip. C'est. Je sais pas pourquoi, là l'intro, elle a un son qui est horriblement fort. Ça baissera après. Donc là, je vous laisse découvrir, je vais juste bouger un tout petit peu le ventilateur, j'ai l'impression qu'il fait des parasites sur le micro. Là, comme ça, ce sera moins dérangeant. Ah, mais c'est peut-être pas le même micro en fait. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Parce que ça se trouve, j'ai pas eu de chance. Non, si c'est le bon micro. Ah. Alors, oui, bon, malheureusement, dès que je quitte l'écran, ça fait ça. C'est un peu naze, mais pourquoi pas. Je voulais pas y jouer en fenêtré, donc bon. Alors pour l'instant, je ne sais rien du jeu. Je me doute évidemment que les deux persos là, celle avec les cheveux blancs et le vieux là, ils ont l'air de se connaître. Ou en tout cas, ils ont l'air d'être proches. Mais c'est tout ce que je sais. Ouais, le son est hyper fort. La miniature de la douille sur Twitter, nous l'avons vu. Pourquoi la miniature de la douille? Merde, j'ai appuyé sur. J'ai appuyé sur B, je crois. Bon, c'est pas très grave. Pas très grave, de toute façon, on va découvrir le jeu là avec. Pourquoi cette miniature de la douille? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Attends, je vais quand même voir parce que je veux savoir. Ouais, non, mais ouais, non, j'ai pris une vieille photo. J'ai pris une vieille photo parce que j'ai voulu faire une miniature simple. Je l'ai fait en pas longtemps la miniature, donc ouais, j'ai un peu douillé sur ça, j'avoue. Mais c'est pour gagner du temps, c'est pour gagner du temps. J'ai pas encore détouré les photos que j'ai prises. Mais ouais, il y a un peu une douille, j'avoue. T'es pas censé jouer à DMVR, toi? Il était une fois, aux confins du continent, un royaume prospère dont la tour majestueuse dépassait fièrement les nuages. Non, pas ce soir, je pense. Ah merde. Le royaume vécut en paix pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où, à la mort de son roi, pardon, le roi démon se fit passer pour le chancelier et prit possession du royaume. Il isola la tour du reste du royaume et y enferma la princesse. Jour après jour, la princesse éplorée contemplait de sa fenêtre son royaume déchiré. Au même moment, un jeune chevalier issu d'une contrée lointaine essorait l'eau salée de sa cape. L'eau sale de sa cape, je crois. J'ai pas vu. En relevant la tête de la plage où il avait échoué. Ah non, c'est bien ça, l'eau salée, ok. Il vit le château au loin. Ce château deviendrait sa destination et marquerait le début de ses aventures. Ok. Ok. Ah, oh, c'est pas vrai! Attends, il y a double sous-titre là en fait. J'ai encore perdu. Attends, je vais désactiver les doubles sous-titres. C'est con en fait, je pensais que les sous-titres c'était vraiment parce qu'il y aurait des voix peut-être anglaises ou je sais pas. Mais là en fait, ils mettent vraiment double sous-titre. Je trouve pas ça très intéressant, mais ok. Ok, c'est bon. Mais j'avais même l'aptitude attaque totale cette fois. Il m'énerve ce roi démon. Comment on est censé le battre? Ok, donc c'est un jeu. Je crois que c'est pas possible, à moins d'avoir plus de monde dans le groupe. Ouais, donc là ça parle de RPG en fait, ça parle classique quoi. Oh zut, il est quelle heure? Donc on a Léo, Binocle, l'heure d'aller en classe. J'ai pas vu c'était quoi le nom de la meuf aux cheveux verts. Donc l'héroïne s'appelle Sam. On rejouera après l'école, hein. Et l'autre s'appelle Carota, d'accord. Donc on a Binocle, Carota. J'ai oublié le nom de la dernière. Oui, à tout à l'heure. Donc faut que je retienne Sam déjà pour le personnage principal. Ok. Il faut que j'aille réveiller John.
Donc j'imagine ça c'est le vieux qu'on a vu là. Ouais c'est lui clairement. Merci Yugi de régaler avec le Twitch Prime. Merci. Merci pour le Twitch Prime. Yes. Yes. Ah d'accord, du coup on joue lui maintenant. Ok. Ce n'est pas le moment de faire de la cuisine. C'est pas le moment de faire de la cuisine. Se reposer? Non. Ok. Mais merci en tout cas. Tu régales du Prime. Prologue, le monde de la surface. Donc déjà, la petite ambiance musicale est charmante. Moi, j'aime bien. John, viens! D'ailleurs, dites-moi si ce jeu est assez fort ou si je devrais le monter ou pas. Dites-moi. La cloche est déjà sonnée. Si on retourne pas à la mine, le maire va retenir une partie de ta paye. D'accord. Donc maintenant, on est à deux. Vous pouvez conserver vos souvenirs ici, mais quand vous les ressortirez, le nouveau vous sera-t-il vraiment vous? Sauvegardez vos souvenirs? Vas-y. Ok, donc on a sauvegardé. Donc je regarde s'il y a des trucs qu'on peut faire. Donc ça a l'air de jouer un peu un peu dans un style. Ouais, c'est complètement un peu du Mother en fait. Hein. Même dans l'ambiance, j'ai l'impression, la carte, tout ça. Même dans le côté un peu chibiesque des persos. Ça a l'air quand même vachement plus complexe. J'ai entendu beaucoup de bien de ce jeu, en plus entièrement en français, donc c'est cool. Ouh. Se lever à l'aube, se casser le dos pour un cerf de misère, ça doit être rude d'être mineur. J'adore la démarche du vieux, là, dans les mains dans les poches et tout. Tous les mêmes, les hommes! Je croyais que tu fréquentais quelqu'un en ce moment. On a du mal à te prendre au sérieux. Ah, mais Muller n'a rien à voir. Et on est censé te croire. Pfff, ça s'appelle l'amour, tu n'y comprendrais rien de toute façon. Alors, je regarde s'il y a des trucs à fouiller. Souvent, les RPG, il y a quand même des trucs à fouiller, mais bon. Vous devriez être au travail en ce moment. Je le savais, vous êtes un nulos comme les autres en fait. Nulos? Ouais, un raté, incapable de garder un boulot, pas vrai? Ah mais quelle bande de petits cons. C'est occupé! Cimetière de la fusée. Ok, pourquoi pas. Okay. J'espère qu'ils vont quand même m'expliquer un peu pourquoi j'ai du sel sur moi. Poêle à frire, une arme alimentaire qui est aussi l'ustensile de cuisine préféré de John. Ok. Ok, j'espère qu'ils vont m'expliquer toutes les touches parce que là pour l'instant je comprends pas grand chose. Tous les jours c'est la même chose. Y a rien à faire à part roupiller. Qui sait, si j'ai de la chance, j'arriverai peut-être d'un beau soleil aujourd'hui. John, la classe, comme d'habitude. Et tu es encore pressé aujourd'hui. Pas étonnant pour le meilleur mineur de l'île Cocotte. L'île Cocotte Minute. Allez, vas-y. Ah là là là. Excusez-moi, je suis un peu claqué. J'espère que c'est pas désagréable au micro. Je vais essayer de pas trop bailler. Après, c'est pas le jeu le plus dynamique que j'ai choisi, mais en même temps, il faut bien que j'avance sur les jeux que je vais chroniquer. Je sais pas du tout où je dois aller. Tu es un des mineurs, pas vrai? Cherche pas à aller en surface, si tu veux pas t'attirer la poisse.
Impossible de jouer sans carte mémoire. John, il nous faut une carte mémoire pour pouvoir jouer à Earthbound. Bah c'est... Ouais, voilà, ok, évidemment. La référence, mais tellement évidente en plus. Ok, donc on peut essayer de choper des figurines, de ce que je crois comprendre. Ah, la supérette n'est pas encore ouverte. Reviens quand tu auras quitté le travail. Tiens, coucou John, qu'est-ce que tu glandes? Tu ferais mieux de te remuer si tu veux pas être en retard. Ok. Ça alors, qui voilà, John? Il te faut déjà un petit verre de si bon matin? Tu vaux pas mieux qu'ils vont. Faudra pas venir pleurer si tu finis dans le cirage au fond de la mine. Ok. Ok. J'explore un petit peu avant, hein, vu que je peux me permettre pour l'instant. Si ce n'est pas ta petite Sam, tu t'es fait de nouveaux amis récemment? Tu veux toujours découvrir les mondes de la surface? papy effrayant. Ça fait un bail que je t'avais pas vu dans le coin, John. Je sais pas souvenir que tu viens faire tes courses ici. Alors, qu'est-ce qu'il te fallait? Radar à trésor, surnommé le nid du chasseur de trésors, il peut trouver les trésors des mieux cachés. Ça m'intéresse. Ouais, quoique, attends. Si on peut trouver des trucs, attends, avec. Voilà. Je sais pas si ce sera utile, mais bon. Je prends le risque. Le même pas qu'on le dérange. Je m'éterniserai pas si j'étais toi. Pas un pas de plus. Le maire fait la sieste. Ok. D'accord. Pour l'instant, c'est le bordel un peu. Alors. Ok. Tu n'as rien à faire ici. Hey! Tu n'es pas élève de cette école, toi. Fiche-moi le camp, tu n'as rien à faire ici. Ok. Allez, on avance. Ok. Dortoir des mineurs, voilà. Ok. Ah, il y a du réseau apparemment. Tu as trouvé 50 unités de sel. Ça ne manque pas de sel. Je sais pas si c'est la traduction qui est bizarre ou si c'est le jeu de mots qui est pas top. Ok. Je pense pas que le jeu de mots soit incroyable en anglais non plus, mais... Peut-être que je me trompe. J'ai rien à récupérer. Attends, mais j'ai vu qu'apparemment je pouvais recevoir du réseau. Ou alors c'est... Attends. Peut-être que j'ai reçu un SMS que j'ai pas vu. Attends, c'est quoi? Parce que j'ai vu... Attends, j'ai vu il y avait une icône de téléphone. Non. 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 Foncer à la mine, un retard, c'est une retenue sur salaire. Ok, attends. Attends. J'ai cru voir un truc, c'est quoi ça? Contrat de mineur. Le contrat standard des mineurs de l'île Cocotte. Peu importe par quel bout on le prend, il n'a rien d'honnête. D'accord? Je suis sûr d'avoir vu un truc. Ah, peut-être qu'il te dit où... D'accord, c'est le radar pour les trésors, justement. D'accord, j'ai compris le délire. Ok. C'est en gros, c'est dès que je m'approche d'un trésor, je pourrais choper un truc avec ça. Ok. Pourquoi pas. Si c'est dans des coffres aussi évidents, c'est pas très intéressant, mais ok. Oh, allez, fais pas le radin. Je t'emprunte, c'est tout. 2 jours max.
Je te le rendrai dès que j'aurai fini avec. Tu dis ça à chaque fois. Et pourtant, tout ce que je t'ai prêté, j'en ai jamais revu la couleur. C'est... Tiens, 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 voilà John. Pile à l'heure comme d'habitude. C'est le dieu du temps lui-même qui a dû fabriquer ta montre. Et toi, Sam, tu es toujours aussi adorable. Tu te souviens de ce que je t'ai appris? Bah oui! Fosse dessus, roche dessous, trésor enfoui à tous les coups. Dans la mine, la roche des tonnes, suis la consigne ou c'est pour ta pomme. Faut creuser, creuser la roche, creuser pour s'en mettre plein les poches. Bravo! Tu feras un excellent mineur un jour. Ah ouais, je trouve que ça va, j'ai bien tenu le rythme. Ça, c'est sûr. Je parie même qu'elle sera meilleure que John. On a un problème! Un gros problème, même. Délibas! John, tu tombes à pic, suis-moi! Bon, ça sent vraiment le truc à la Earthbound, mais ok. Eh, minute, papillon! Tu devrais pas te précipiter comme ça, ma petite Samy. C'est dangereux là-dedans. Tu ferais mieux de rester ici avec tonton Denis. Nous, on protégera des limaces. Mais j'ai pas besoin qu'on me protège. Il a raison, Sam. Et si je te racontais la fois où le maire a affronté le terrible dragon? Pas encore cette histoire. Alors, le journal a été mis à jour. C'est quoi? Faut sauver la mine de l'attaque de limaces, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ok. Ok. Pourquoi pas? Je peux aller par là? Ouais. Oh, c'est quoi cet avatar? D'accord. What the fuck? Bon. L'image là, tout à gauche, là, que vous voyez. Attendez, vous la voyez plus, mais là, l'image que vous regardez tout à gauche, là-bas, elle est grave bizarre. Ça fait trop bizarre quand tu vois le perso de base. Il a l'air trop sérieux, trop vénère. Trop prêt à en découvrir, en fait. Les limaces sont dans la grotte à l'ouest! Ok. C'était gratuit. Ah, te voilà, John! Les limaces sont dans la grotte à l'ouest! Et toi, va chercher la clé de la poudrière! On a besoin des bombes pour qui se trouvent pour éliminer les limaces. Ok. Qu'est-ce que t'attends? Yvon le Luron est déjà en route vers la poudrière. Je serai pas loin derrière. Je couvre tes arrières. Ok. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Donc ça a l'air d'être plutôt du action RPG. Je pensais que ce serait du tour par tour. Qui c'est? John, c'est toi, John? Pas de réponse. Ça doit être John. John, ouvre pas la porte! Les limaces nous bouffent notre électricité! Il faut que tu nous en débarrasses, sinon on pourra pas rallumer la lumière! Ok. D'accord. Ok. D'accord. Donc on chope du sel. Donc 5 unités de sel par cristaux là. C'est cristaux orange, je sais pas s'il y aura d'autres couleurs. Ouh là là. Bon, évidemment, il faut que je coupe la machine. Bah évidemment, c'était sûr avec la pole à frire. Je suis sûr que j'aurais pu les avoir avec l'arme à distance, mais j'en ai pas. Enfin, je pense que j'aurai des armes plus tard. Pour l'instant, c'est méga simple, mais on va voir. Ok. Voilà. Ok. L'ambiance musicale marche bien pour l'instant sur moi. Attendez 2 secondes. Voilà. Le son du jeu est peut-être un peu faible, non?
Attendez. Ouais, le son de jeu est peut-être un peu faible, non? Vous trouvez pas? Parce que là, il devrait être plus fort quand même, non? Attendez. Non mais là c'est trop fort. Ou alors c'est l'audio que je mets qui est trop faible. Attends. Attendez, attendez. Laissez-moi juste checker le son. En vrai je mets le son trop fort pour moi directement. Là. Ça doit... Attendez. Mais bordel, à chaque fois que... Attends, à chaque fois que j'essaie de les enlever, son système ils reviennent quoi. Ah, ça a pris une mise à jour. Ouais, c'est un peu mieux comme ça, non? Là, ça devrait être mieux, là. Je vais peut-être baisser un tout petit peu le son. Tout petit chouïa, pas grand chose. Voilà. Là, on devrait être nickel. Ah, d'accord. Et après, ça ouvre d'autres trucs. Ok. Ah yes! L'Ernie, John! Tant que tu n'auras pas détruit l'Ernie, elles n'arrêteront pas de revenir. Ok. John! L'Ernie, John. Tant que tu n'auras pas détruit l'Ernie, elles n'arrêteront pas de revenir. Ok. Ok. Bah en fait je fais quoi là? Ok. Ok. Ça m'aide pas trop pour l'instant mais ok. Ah attends peut-être que si genre je déconnecte ça. Non. Ok. Attendez, d'accord que si je continue, bah oui, c'est mort. Il va me dire, hey, machin, vas-y, vas-y, s'il te plaît. Ok. Mais comment je passe, en fait? C'est quoi, je dois faire quoi? Ah, peut-être que je peux y maintenir, attends. Bah non. Ok. John, tu trouveras les bombes dans la poudrière. Certains pour faire sauter ces nids de femmes bestioles. Oula, j'ai zozoté un peu. Ok, prendre la bombe. D'accord. Génial, vous avez une bombe. Retrouvez-la dans votre menu d'armes. Ok. Non, non, non. Ok. Placer une bombe, ok. D'accord. Et il est temps de défoncer tout ça. Ah merde. Ok, c'est bon, je suis soigné. Ouh là, je vais faire une connerie, moi. Ok. Ah, mais il me reste pas un nombre infini de bombes, en fait. Là, il m'en reste 4. Ok, d'accord. Je vais aller en chercher, quand même. Je savais pas que j'en avais un nombre limité, d'accord. Ok.
Bon, au moins on peut en récupérer un nouveau. Ça, c'est une bonne chose. Bon, réapprovisionner, mais j'en avais déjà. Ok. Ok. Allez hop. Aïe aïe. Voilà. Allez, bouffez tout ça, les limaces. Mangez mon fluide. Ok. Je sais pas à quoi ça servit, mais pourquoi pas. Et ici, peut-être un truc secret. D'accord, s'il y a un truc à la Isaac, pourquoi pas. Oh. Vous avez trouvé des pièces détachées. Ok. Ok. Enfoiré. Et voilà. Ok. Go pour monter. Pas de soucis, pas de soucis. On va y arriver. Eh, pitié, pitié, ne me mangez pas. Ça alors, mais quelle bonne surprise. Je t'ai pris pour une de ces créatures carnivores. C'est moi, Boguta, le docteur Maboule. Non, 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 il faut que j'arrête de m'appeler comme ça. Je vais faire fuir tous les patients. Au final, savais-tu que ces limaces sécrètent un gel très particulier? Eh oui, on peut s'en servir comme une sorte d'adhésif pour soigner les blessures. C'est pour en récupérer que je suis venu ici. Mais comment j'aurais pu prévoir que ces bestioles me... mucilagineuses seraient de telle furie? Je n'ai pas eu d'autre choix que de me cacher ici. Ne pars pas! Pitié, ne me laisse pas. Je te reconnais. Oui, c'est toi, ce mineur extraordinaire, John, c'est ça? J'ai entendu dire que tu as été le premier à découvrir une personne en creusant. Oui. Là, prends ça, veux-tu? Vous avez reçu un hot dog. Regardez dans votre sac à dos. Je n'ai peut-être pas trouvé de gel, mais ça veut pas dire que je suis complètement nul. Et c'est donc ça. Ok. Hot dog, la base de la vente à emporter. Ok. Pourquoi pas. Je veux juste voir. Ok. J'aime bien l'idée en vrai. Moi en plus je préfère les RPG clairement aux RPG tour par tour donc ça va plus me parler. John! Des limaces, des tonnes de limaces! Ok.
Non mais quel abruti! Qu'est-ce que tu viens de faire? Bah quoi? T'avais pas dit qu'il y avait des limaces à l'intérieur? Super, merci les gars! J'ai même pas pu me réapprovisionner, putain, je suis trop con. C'est pas grave. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Meurs, pourriture communiste. Ok. Ah, ok. Pourquoi pas? Il est trop fier. Oh, cœur max augmenté. Sympa ça. Tu crois que John va s'en sortir? Difficile à dire. Il s'est vraiment fourré dans la mouise jusqu'au cou cette fois-ci. Ouais, et c'est de ta faute. Ah, John! On était justement en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour te sauver. John! Le maire est en chemin, John! Ok. Aïe! C'est la fin de mon car et j'ai rien vu. Et j'ai rien que du vent. Le maire va pas être content. Je me tire d'ici. Hé, attends! Viens, John. Si le maire t'attrape, ça va chauffer pour ton matricule. Ok. On va quand même aller chercher des bombes. Allez, Sam, je vais t'apprendre à poser des bombes. On peut fermer les portes, ok. C'est bête, mais c'est un détail. Ok. On a récupéré un peu de thunes, c'est bien. J'ai pas pu récupérer un seul bout de ferraille. Le maire va me zigouiller. C'est pas mes oignons. Traître. Ah, répète un peu ça. Chut, tout le monde. Il est là. Oh là, le gros maire bouffi. Ah non, arrogant. Maire Hoffman. Alors, bande de bras cassés. Voyons si vous avez mérité le nom de mineur aujourd'hui. Ah, c'est un mix chelou. Entre un geek, une brute et genre un bourgeois là en mode. Comment il s'appelait là Ah, j'ai plus le personnage qui jouait là dans la chaîne Nous là de. Le mec qui disait ouais, je parle pas au moins de 10. Merde. Ah, j'ai plus le nom. Je sais que ouais, c'est le personnage que jouait Greg Guillotin là. Dans un gendre. Attends. Ah, je sais plus. Dans son émission où jouait le gendre ultra bourge. Vide. Vide aussi. C'est bien ce que je disais. Vous n'êtes qu'une bande de bons à rien. Tous autant que vous êtes. Ça vaut pour toi aussi. Oui, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce qu'elle fiche encore là, la gamine? Tu te crosses quoi ici? Elle devrait être à l'école. Il a raison. C'est un connard, mais il a raison. Et les frais de scolarité, c'est pour ta poche, évidemment. T'as entendu ça, John? Je vais aller à l'école.
Il est parti. Phew. J'ai encore cru que ce vieux allait encore me sucrer ma quinzaine. Il nous a flanqué une sacrée frousse, mais au moins, il a pas de chat à nos payes. Vous avez trouvé fruits de sable x2. Regardez dans votre sac à dos. Encore les fruits des sables? Je peux pas être payé en monnaie sonnante et trébuchante pour une fois. Ça fait un mois que je mange que de ces machins. Bon, au moins, tout s'est bien terminé. Faut bien reconnaître que c'est pas la première fois que tu nous sors du pétrin, John. J'imagine que tu es à l'école demain. Pas vrai, ma petite Samy? Ça va être bien triste ici sans toi. Je reviendrai, c'est promis. Et pas d'école buissonnière. C'est important de bien suivre les leçons. Mais oui, je sais bien. Y'a pas de je sais bien qui tienne, c'est sérieux. Faudra que tu fasses... Faudrait pas que tu te fasses renvoyer dans le charron. Ok. Pas vrai, John? Ah, John, ta poil. Hein? Oh non! John, ta poil, elle est cassée! Demande donc à Dédé d'y jeter un œil. Ouais, ce vieux briscard, c'est tout réparé. Tu trouveras en range du grand soleil. Voici, papa te la remettre en état. Ok. Du coup, je peux plus attaquer, on est d'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oh, même pas. Ok. On va pas jouer très très longtemps. Je pense qu'on fera qu'une heure. Tranquillement pour se poser. Et ensuite après... je vais aller me coucher. Non, moi je me ferai un premier aperçu du jeu, quoi. Et ensuite, demain, on continuera l'aventure. Et ensuite, à partir de jeudi, je commencerai à essayer d'écrire un truc propre. En faisant quelques recherches, évidemment, sur le jeu. Si vous récupérez le scénario de quelqu'un d'autre, seriez-vous encore vous ou deviendrez-vous l'autre? Sauvegardez les souvenirs? Bien sûr. Ok. Bref, je réfléchis. Ouais, c'est inconnu, donc il y a moyen de faire de la cuisine. Localisation. Ok, chapitre 1, vie ma vie de mineur. Ok. En vrai, j'aurais peut-être aller chercher des bombes. Juste pour être sûr. Ce serait con que j'en ai plus quand j'en ai besoin, quoi. Et hop! Ni vu, ni connu, je t'embrouille. La musique est très discrète, par contre. Hein. Là, elle est un peu moins discrète. Mais j'ai l'impression que le son est trop bas. Ah, je compare sur YouTube. Au prochain épisode, le chevalier affronte un défi d'idées. Le château du Pic Blanc survivra-t-il à cette terrible menace? Affaire à suivre. Flûte, juste quand ça commençait à devenir bien. Il trouvera sûrement un nouvel allié la prochaine fois. J'en sais rien, vu comme c'est parti. Je dirais qu'on a encore pour 2 semaines avant qu'il présente le nouveau personnage. Coucou! Ah, coucou Sam! T'as fini le travail? C'est déjà terminé, Earthborn? Oui, ça vient de finir. Si tu veux regarder, va falloir attendre la rediff. Aujourd'hui, l'un des 4 généraux a attaqué le château de Pico Blanc. Alors maintenant, le chevalier est en route pour essayer de l'arrêter. C'est bizarre quand même. Je me souviens pas de cette partie dans le jeu. Ah oui, au fait. J'ai entendu que ça se passe après la fin du jeu.
Faut d'abord battre le roi démon et après on peut commencer un New Game Plus. Un New Game Plus? On a toujours personne dans notre groupe. Ça va prendre 100 000 ans pour arriver au New Game Plus. Toi aussi, tu devrais jouer à Earthbound, Sam. Plus on sera nombreux à jouer, plus on aura de chances de battre le roi démon. Mais je n'ai pas de carte mémoire. Barbe grise, vous devriez en acheter une à Sam. Après tout, sans carte mémoire, elle peut pas se faire d'amis. Oh. Tu vas m'en acheter une? C'est vrai, dis? Waouh, trop génial, je vais enfin pouvoir jouer à Earthbound. Va falloir mettre la main au porte-monnaie cette fois-ci, Barbe Grise. La supérette vend des cartes mémoire. Les rêves ont pas leur place ici. Ils finissent toujours en cauchemar. Eh ben, ça fait un bail que je t'avais pas vu. C'est pas souvent que tu vas faire tes courses ici. Enfin, qu'est-ce qu'il te fallait? Alors, extension de sac à dos indisponible, hello. Et il permet de transporter davantage d'objets dans votre sac à dos. Carte mémoire, bon, ça coûte pas très cher. Ok. D'accord. Allez, trop contente, Sam. En vrai, j'adore ces animations. Vous avez obtenu carte mémoire. Oh, merci, John! Maintenant, j'ai enfin ma propre carte mémoire! Ah, c'était pour Sam, en fait! Quand j'y repense, tu passais des heures sur ce truc quand tu étais petit, John, pas vrai? Bonsoir, comment ça s'appelait? Ah oui, Earthbound, c'est ça. What? Bah, c'est ok, d'accord. C'est bizarre comme ça, c'est pas existe. Enfin, à moins que ce soit un autre jeu de la saga ou un remake ou quelque chose. On va tout déchirer maintenant. On a un mage. Si on est au château pour dégommer le roi démon. Tu veux pas tuer quelques monstres d'abord? T'as encore le temps avant que le rituel du roi démon s'achève. Téléportation vers le château royal. Hey, tu m'écoutes? Ça y est, j'en ai une, j'ai une carte mémoire. Ça tombe pile poil. On part pour le château royal. Enfin, c'est pas comme si on avait une chance de gagner. Bon, la vache. C'est vrai qu'on a un mage maintenant. Donc on a une petite chance de battre le roi démon. Tu devrais essayer, Sam. Avec la chance du débutant, tu essaieras peut-être. Tu crois? Mais je ne sais même pas jouer. T'inquiète, Carota, elle n'arrive pas à le battre non plus. Qu'est-ce que t'attends en fait? Faut y aller. Il est déjà tard. Ma mère va bientôt m'appeler pour le dîner. D'accord, je vais essayer. Vas-y, ça va être quoi? Ça va être petit mini-jeu? Oh, sympa! C'est du Dragon Quest, ça! Ça commence! Avant toute chose, il faut prévoir la stratégie que tu vas utiliser. Donne-lui une bonne leçon, Sam. Commence par l'aptitude attaque puissante du chevalier. Donc, singe, marchand, ok. Attaque puissante, taillade, attaque tous les ennemis, attaque, une puissante attaque capable d'infliger davantage de dégâts. Roi démon, ok. Je peux te donner un conseil? Même si tu places le singe à l'arrière, il t'aidera à combattre. Choisis échange et mets ton mage à la place. Et voilà, maintenant tu peux utiliser les attitudes de ton mage. Laser chauffant inflige des dégâts considérables à un ennemi. Pas assez de PA, ok. Vas-y. Usurier jette. Alors, force l'ennemi à contracter un prêt et lui réclame des intérêts chez toi. Oh! C'est une attaque de Hunter x Hunter, ça! Ça, c'est Pumpkin, non? Pumpkin? Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est le mec là, qui ressemble à un perso de. River City Rampage? Non? Mais en gros, c'est le truc. Vraiment le perso qui ressemble à une brute à la japonaise. Brute d'école à la japonaise, un peu type. D'accord. Mais ouais, ça me parle, ça! Ça, c'est une attaque dans Hunter x Hunter où c'est pareil, où genre le mec il attaque et du coup après il a son esprit là qui colle l'adversaire et à chaque minute
toutes les minutes, je crois, c'est ça, il contracte un crédit et du coup, il doit encore plus de naines à chaque fois. Vas-y. What? Ok. Attention, voilà l'aptitude ultime du roi démon. Drain d'énergie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as plus de PA. On suit le plan à la lettre. Pixball, c'est parti. Ouais. Maintenant, utilise potion d'action. Ok. Et voilà, maintenant on va pouvoir utiliser des aptitudes au top. Attention, voilà une deuxième aptitude roi démon, vague hypnotique. Tous les boss utilisent ce coup-là. C'est pas le moment de frimer. Trouve plutôt un moyen de t'en sortir. Mais c'est l'idée, justement. Il y en a pas. Tout ton groupe est sous son emprise maintenant, tu peux rien faire. Ok. Ok. Avec la main autre membre du groupe pour augmenter les dégâts qu'il inflige. Ok. Ok. Ok, c'est chaud. Ça va être très chaud. Ok. D'accord, ça va être compliqué, hein. Bah écoute, dommage. On n'en voit plus jamais le chevalier et ses compagnons. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, mais ok. Désolé, je crois que j'ai perdu. C'est pas grave. T'as déjà tenu un bon moment, c'est pas mal du tout pour une noob. J'avais bien dit que tu devais gagner des niveaux d'abord, mais bon, personne m'écoute. Me tue pas, s'il te plaît. Oh zut, vous avez vu l'heure? Il faut que je rentre dîner. À demain. Reviens par ici tout de suite. Moi aussi, je vais rentrer du coup. À demain, tout le monde. Hé hey ça m'énerve. Tant pis, on continuera demain alors. Au fait, tu sais quoi? Moi aussi, je vais à l'école demain. Sérieux? T'aurais dû le dire plus tôt, c'est génial. Alors, on pourra se voir à l'école demain aussi. C'est... Tiens, c'est pour toi. Une sorte de récompense pour aujourd'hui. Vous avez obtenu gélatine. Regardez dans votre sac à dos. Ok. Novice en Pixball. C'est une Pixball. Tu peux t'en servir pour obtenir des objets dans Earthborn. La machine à la capsule que tu vois là-bas les distribue. Mets un jeton dedans, baisse le levier et bim! Une Pixball. Bon, il faut que j'y aille moi aussi. On se voit demain. Surtout, arrive à l'heure. Oui, sans faute. Je partirai très en avance, à demain. Ok. Alors, attends. Vous ne tenez pas vraiment à savoir ce que cette bestiole a mangé. J'ai utilisé toutes les puces du garage. Alors, je peux enfin faire une pause et travailler sur Earthborn.
Ok. Ah, il y a masse de trucs en fait, d'accord. Ok, temps de jeu, meilleur score, ok. Ouais, attends, j'ai pas lu, attends. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Restaure les PV de tous les membres du groupe. Ok, potion de vie, d'accord. Ok. Manuel, voilà. Donc, peut-être moyen. Comment on fait? Ok. Il est une fois aux confins du continent, un royaume prospère. Bon, ça, j'avais vu. Ok. Donc, voilà. Oh putain, ça fait très les vieux manuels de NES ou de Game Boy, j'aime beaucoup. L'ennemi suprême vous attend. Battez-vous sans relâche pour accroître votre force et vaincre le roi démon. Utilisez des aptitudes redoutables. Les aptitudes sont la clé de la puissance, de la victoire. Utilisez en dépensant des PA. Plus l'aptitude est puissante, plus elle nécessite de PA. Vous récupérez des PA au fil de combat. En tant que chevalier, vous pouvez combattre avec deux alliés à vos côtés. Changez-en de façon stratégique pour vous adapter aux besoins de la bataille. La victoire fait aussi la force. Chaque victoire vous apporte des pièces d'or et de l'expérience. Accumulez de l'expérience pour passer à un niveau supérieur et ainsi gagner en force et apprendre des aptitudes encore plus puissantes. Votre toute première équipe. Vous ne serez pas seul dans votre quête. Vous avez de nombreux alliés qui vous attendent. Qui vous appellent, pardon. De nombreux alliés attendent votre appel, pardon. Vous commencez votre aventure avec trois alliés. Le marchand, le singe, la mystérieuse jeune fille. Protégez-les au péril de votre vie. Ils vous apporteront une aide inestimable au cours de votre périple. Seek out powerful allies. Dans le monde entier, de grands guerriers attendent votre venue. Explorez les mondes pour les rencontrer. Une fois intégrés dans votre équipe, ils resteront à vos côtés tout au long du jeu. Votre toute première équipe, allez de nouvelles. Attends. Achetez de nouvelles armes et des objets magiques aux marchands. Ou trouvez-en en explorant les grottes. Un équipement de qualité peut changer le cours d'un combat. Ok. De mystérieuses statues de goélands. Vous trouverez des statues de goélands aux quatre coins du monde. Elles vous permettront de voyager instantanément d'un lieu à l'autre. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vaincre le roi démon en 7 jours. Activez une statue une fois et vous pourrez continuer à l'utiliser tout au long du jeu. Des grottes aux ennemis féroces. Des grottes pleines de dangers se trouvent un peu partout. Relevez leurs défis pour gagner de l'expérience et des trésors. Le repos des aventuriers. L'auberge tient lieu de base aux chevaliers et ses compagnons. Prenez le temps de vous reposer à votre prochaine aventure et n'oubliez pas que les alliés qui vous attendent à la taverne. Ok. Pixball, c'est parti. Alors, le système Pixball qui a déjà connu un grand succès est désormais complètement intégré au jeu. Ok, je suis en train de regarder un peu, j'essaie un peu de comprendre. Il vous suffit de scanner le code d'une Pixball pour en faire un objet utilisable par votre groupe au sein du jeu. Plus vous en ramassez, plus vous aurez de chances de vaincre le roi démon et de sauver la princesse. Les machines à Pixball sont disponibles. Foncez à la machine à Pixball la plus proche, vous y trouverez peut-être des Pixball exclusives. Vous pouvez aussi jouer à la toute dernière version du jeu. Vous pourrez aussi jouer à la toute dernière version du jeu. Pour en savoir plus, adressez-vous aux détaillants. Commande, donc ok, déplacez les personnages, ok. Attribuez les personnages. Force, augmente les dégâts des attaques physiques. Sagesse, augmente les dégâts des attaques magiques et résistance aux magies. Ok. Endurance, réduit les dégâts subis en cas d'attaque physique. Ok, ça je savais pas. Agilité, augmente la précision et les taux d'esquive. Critique augmente les chances de réussir un coup critique. Vitesse détermine l'ordre d'action des membres du groupe. Ok. Allez-y, on va juste voir. Logo de Pixpil Game. Ok. Je sais pas si la musique est une référence, j'imagine encore une fois de Dragon Quest. Là, il kifferait, hein. C'est la première fois. Attends, what? Quel est cet endroit? Il n'arrive pas à se poser la question bien longtemps. L'ancien du village, j'ai déjà fourni la réponse. Il y a un continent mystérieux, loin vers l'ouest, la mer. C'est quoi tout ça? Mais attends. Mais qui habite d'infinis trésors. Ok. Eh, ça va très vite. Faut vous calmer, monsieur. Ok. Vous là, jeune homme. Puis-je vous aider, monsieur? Je suis Barak de la Fusée, apprenti chevalier. La Fusée? J'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai jamais entendu ce nom. Par contre, j'ai oui bien des récits quant au chevalier. On dit que vous êtes des guerriers qui affrontaient le mal pour en faire triompher la justice. C'est sans doute vrai, mais je ne suis qu'un apprenti, je ne peux en revendiquer de tels exploits.
Mais vous restez un chevalier, n'est-ce pas? Alors, une quête visant à sauver la princesse vous intéresserait peut-être. Une quête? Une princesse? Merveilleux! Mais je suis encore novice. Pensez-vous vraiment que j'en sois capable? Je ne saurais le garantir, mais... Vous ne le saurez jamais si vous n'essayez pas. Ne vous suffit-il pas de savoir qu'une belle princesse a besoin de votre aide pour que vous partiez à son secours? Une belle princesse? Je n'ai jamais entendu de mots plus délectables. Dans ce cas, voulez-vous bien m'accompagner, l'ami? Avoir quelqu'un d'aussi expérimenté à mes côtés? Voilà qui me tranquilliserait l'esprit. Mais certainement, voyager avec un jeune homme robuste tel que vous. Ce serait bien mieux qu'avec l'un de ces gardes du corps cupides. D'ailleurs, j'y pense. J'ai moi-même quelques marchandises à vendre, et ne vous inquiétez pas, vous en aurez pour votre argent. Ah là. Le personnage du marchand escroc. Alors. Ok. On part volontaire, arme lourde, attaque puissante. On va peut-être pas abuser, on va peut-être pas... Parce que je sens que sinon ça va être la merde. T'as peut-être moyen de sauvegarder, non? Si je quitte, ça sauvegarde. Commencer. Ok. J'espère que ça sauvegarde ou alors faut que je sauvegarde. Non, continuer. C'est bon, logiquement, je peux sauvegarder. Je peux quitter à peu près n'importe quand, j'ai l'impression. Ah, je vais pas me perdre dans le truc de Dragon Quest, mais voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On n'avait pas de jetons. Ok. Ok, ok, ok. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Attends, je vais aller juste faire l'objectif, voilà. Au moins ça. Qu'est-ce que c'est? Rien à voir, ok. Hey John, ce gros niais, le maire est en train de lui hurler dessus. Mais lui, il est resté planté là, comme s'il allait faire dans son froc. Le maire, il lui a dit, qu'est-ce que tu fiches encore ici, la gamine? Tu te crois en square, ici? Alors, évidemment, j'ai dû intervenir. Hey, monsieur le maire, je lui fais. Allez-y, mollo, il vient juste de dégommer une armée de limaces, quand même. On a la langue épaisse, John. Oh, oh, vous rentrez au travail, les amis? Vous avez l'air de tout guérir, ma foi. Une raison en particulier? Demain, je vais à l'école, Capitaine Tyr. En effet, c'est une très bonne nouvelle, dis donc. Par contre, je suis désolé, mais tu es trop petite pour trinquer à ça. Et vraiment en mode clochard. Cette grotte était noire comme la nuit. J'ai cru que je n'en sortirais jamais. Hein? John? Je disais pas de mal de toi, je te jure. Que vaudrait la vie sans arôme et sans saveur? Te lancer du bar et envoyer spécial du goût. What? Appelez-moi juste Terminal de Cuisson, votre aimable tenancier du bar du coin. Ah, on a kické la glisse. Et qui met trop d'ambiance, bizarrement. Alors, on avait dit, il faut que j'aille à... Range du Grand Soleil, ok. Alors, je sais pas où est le Range du Grand Soleil, mais ok. J'imagine que c'est là-haut. Ça, c'est la place de l'école. Attends. C'est quoi ça? Ok. Propriété du maire. Pas un pas de plus. Le maire fait la sieste. Je l'ai vu hier, cette vieille loque d'Yvon, en train d'acheter le magazine. Le traître, moi aussi je veux le lire. Mais de quoi vous parlez? À ton avis, gros débile, du seul magazine qui compte, Amour Sauvage. C'est pas celui que seuls les adultes ont le droit d'acheter? Tout juste, j'aimerais trop voir ce qu'il y a dedans. Moi aussi, j'avoue. Alors j'imagine que c'est pas du tout ce à quoi on pense, évidemment, pour le type de jeu. Là, à quoi chanter? Sans blague? Attends. C'est pas possible, il y a forcément... Attends, ça va pas être loin. J'imagine. Tiens, d'ailleurs.
Ah, du sel, merci. Ok. Ce que tu es insistant, je ne sais plus quoi faire. Quoi? Sam doit aller à l'école? Ah, c'est donc pour ça que tu es là. Il faut que tu écoutes ta maîtresse à l'école, Sam. J'ai peut-être l'air jeune, mais je suis quand même institutrice. Ok. Alors, je sais pas où je dois aller, mais ok. Il y a forcément un truc qui m'indique. C'est pas vraiment le moment de venir ici avec une enfant, tu ne crois pas? Sam devrait être à la maison en train de dîner. John, j'ai faim. Qu'est-ce que je disais? Il vaut mieux que tu t'occupes d'elle mieux que ça. Mais il est fou, lui. Entre Johnny. À la fin, je suis d'accord, mais il faut bien qu'ils aient une poêle pour pouvoir faire à bouffer. Il peut rien, là, John. Il a protégé son cul des limaces électriques. Faut arrêter un peu. C'est quoi cette agression sur John? Je sais pas où je dois aller, c'est insupportable. Attends, il y a un truc où je, apparemment je peux passer là. En soum-soum, non? Attends, je comprends pas. C'est pas par là, apparemment. C'est pas par là non plus. Ça, c'est l'école, ça, c'est le machin là. À mon avis, c'est là-haut qu'il y a un truc. Voilà, tout est cool, évidemment. Ah, attends. L'école est fermée pour aujourd'hui. Ça n'est pas très rassurant à l'intérieur une fois toutes les lumières éteintes. Tu ferais mieux de filer. Ok. Ah voilà. Avec quand même un point d'exclamation, ça c'est parfait. Je suis le roi de la bricole. Je sais tout réparer. Je m'appelle Dédé. Dédé la bricole. Waouh, regarde-moi cette poêle. Un jour, un groupe de filles pas farouches se sont servis d'une pareille comme arme. Et super pour une nuit sautée aussi. La puissance de Super Saiyan, tout d'un coup. Tu m'intéresses, petite. Je vais lui donner une nouvelle jeunesse à cette poêle, d'accord? Ok. Je vais pas inintéressant, hein, par contre. Hein. Splendide! Un vrai chef-d'œuvre. Je dirais même que c'est mon plus bel ouvrage jusqu'à maintenant. Enfin, l'un des plus beaux. Là! Mets-lui une bonne claque! À ce fruit des sables. Rends-moi fier, mon garçon! Ce vieux jeu? Ça fait un bail que j'ai pas vu quelqu'un s'y essayer. Qui c'est ce qui a réussi à mettre là-dedans? La dernière fois, le Capitaine Tigre. On va voir ce que ce gars est capable. Ok. Ça va être coton, pour sûr. Ok. Les règles sont simples. Il faut envoyer le fruit dans le cercle. J'appelle ça la fruit tank. Bien trouvé, hein? Pense à déposer le nom. Ça le reprend. Fruit tank, je pige pas. On s'en tape, on va voir comment ce gus s'en sort. Vas-y, John, montre-leur. D'accord. Mazette, du premier coup. John, tu dois être un tapeur de fruits le plus doué que j'ai jamais vu. Oui, enfin, c'est surtout grâce à mon travail de génie sur cette poêle. Génial, et pas de temps. Comme tu as fait sauter, t'as la patate, ma parole. Ah, patate sautée! Elle est bonne, hein? Non, désolé. Désolé, désolé. Ouais, si t'as 5 ans. Le langage coloré de Dédé ne déçoit jamais.
Tu peux faire bien plus que fracasser le crâne des bandits avec ce que t'as entre les mains. Cuisiner un bon petit dîner, par exemple. Dîner, viens, rentrons à la maison pour préparer à dîner, John. Je meurs de faim. Tiens, voilà. Encore ? C'est le fruit que tu viens de taper. Il n'y a plus trop la pêche, par contre. Haha, le fruit a plus la pêche, elle est bonne. Vraiment, il mériterait que je la remette une deuxième fois. Même ça me dit rien par politesse. Allez, on va juste devant la piole, on sauvegarde. On a à peine commencé le chapitre 1. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de chapitres. Les RPG sont souvent très très longs. Je, évidemment, il est très, très évident que je ne ferai qu'une toute petite partie du jeu avant samedi. Ça va être malheureusement le cas. Je vais essayer demain de commencer le live plus tôt et de jouer le plus possible. Histoire d'avoir un peu quand même un bon point de vue du jeu, même si je pense que je commence à comprendre un peu l'intérêt. Ah oui, c'est vrai qu'on doit sauvegarder avec les réfrigérateurs. Pareil, même quand tu vas sauvegarder, t'as des petites phrases comme ça. Très proche un peu de l'ambiance Undertale sur ça. Tu sais, quand tu... À chaque fois que tu vas sauvegarder, que t'es sur un truc où t'as de la détermination, t'as toujours une petite phrase un peu genre... ce petit bout de fromage est congelé. La souris essaie quand même de le prendre. Sa patience vous remplit de détermination. Voulez-vous sauvegarder? C'est souvent un truc un peu dans ce style-là, tu vois. Donc en vrai, c'est stylé. Après, je sens vraiment que le jeu, c'est un hommage un peu au RPG type Earthbound. J'allais dire Final Fantasy, pas du tout. Dragon Quest. C'est un peu dans ce style-là. Avec un côté plus ARPG de ce que j'ai cru comprendre. J'ai sauvegardé, hein. Oui. C'est pas grave, ça coûte rien. Et du coup, on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui étaient là. C'était grave sympa. Merci à ceux qui sont passés en lurk et tout. Donc voilà, donc à la prochaine pour un prochain live. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous. Moi, je vais aller me coucher, je suis un peu fatigué. Des gros bisous à tout le monde. Ciao à tous.